Bonsoir à tous, bonsoir pour ceux qui sont en Indonésie, bonjour pour ceux qui sont en France. Bienvenue à la finale de la 5e édition du concours Ma thèse en 180 secondes. J'espère que vous êtes tous prêts pour cette soirée riche en défis. Avant toute chose, je me présente, je suis Myriam Ameg, chargée de communication scientifique à l'Institut français d'Indonésie. Alors, laissez-moi vous dire quelques mots à propos du concours. Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche en français et en termes simples à un auditoire non expert et diversifié. Chaque étudiant a 3 minutes pour faire un exposé clair, concis, mais néanmoins convaincant sur son projet de recherche, le tout avec l'appui d'une seule diapositive. Ce concours s'inspire du concours 3-Minute Thesis qui a été conçu à l'Université du Queensland en Australie. En 2012, le concept a été repris au Québec par l'Association francophone pour le savoir, qui a souhaité donc étendre le projet à l'ensemble des pays francophones. L'Institut français d'Indonésie a initié l'implantation de cet événement en Indonésie en 2016, afin de générer une différenciation pour les doctorants indonésiens francophones et ainsi renforcer la coopération bilatérale par un rendez-vous privilégié. Alors, suite aux finales de 2016, 2017, 2018 et 2019, l'IFI organise une 5e édition cette année en 2021, sachant que l'édition 2020 n'a pas pu se tenir en raison des conditions sanitaires que nous connaissons tous. Je vais vous faire un rappel des règles pour participer, ensuite je vous ferai un rappel des règles de sélection, etc., histoire que tout le monde ait vraiment tout le processus en tête. Donc, pour participer au concours, chaque candidat a dû satisfaire aux conditions d'admissibilité suivantes. Il devait être inscrit en doctorat ou avoir obtenu son doctorat durant les 2 années académiques précédentes. Il devait présenter un état d'avancement suffisant du projet de recherche doctorale. Il devait bien sûr pouvoir s'exprimer correctement en français. Il devait ne pas avoir été déjà finaliste du concours lors d'une édition précédente et bien sûr avoir informé son directeur de thèse de sa participation. Donc sachez que tous les candidats présents ce soir, les 8 candidats, ont répondu à tous ces critères. Donc après la sélection, les candidats ont eu 2 mois pour se préparer au concours en compagnie d'une coach qui avait été missionnée par l'IFI, Gemala Absari, qui nous en dira un peu plus sur cette expérience tout à l'heure. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler plus amplement des règles auxquelles les candidats sont soumis pour cette finale et des conditions de sélection du jury, nous allons écouter quelques mots de Monsieur l'ambassadeur de France en Indonésie, Monsieur Olivier Chambard, qui n'a pas pu être présent, mais qui a tout de même souhaité livrer un message vidéo. Donc voilà, maintenant nous allons diffuser la vidéo de Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à tous. Je suis ravi de délivrer ce message aux finalistes de l'édition indonésienne du concours Ma thèse en 180 secondes. Pour vous honorer, chers étudiants, je vais me prêter au même exercice que vous et faire ma présentation en 3 minutes chrono. Le concours Ma thèse en 180 secondes lance aux doctorants et jeunes docteurs un défi de taille, celui de vulgariser leur thèse en un temps record. Toute la difficulté de l'exercice, mais aussi son intérêt, réside bien là. Le passage d'informations à destination d'un public non initié, le passage d'un savoir en apparence complexe dans des termes simples et accessibles. En ce sens, ma thèse en 180 secondes ne doit pas être vue uniquement comme un concours, mais comme une formation à la transmission de connaissances et une étape importante pour la formation au métier des chercheurs. Car la vulgarisation fait partie intégrante de la mission du chercheur. Le chercheur a en effet le devoir de tenir le public informé de l'avancée de son travail. Il doit transmettre son savoir et ses résultats dans des termes accessibles au plus grand nombre. Et nous savons combien il est difficile pour un chercheur expérimenté d'abandonner son jargon, de simplifier ses explications et d'être compris de tous. Mais dans le contexte actuel, plus que jamais, le chercheur a besoin que le public le comprenne. Les grands défis de notre monde sont écologiques, environnementaux, technologiques, sanitaires. Aujourd'hui, les citoyens doivent être en mesure de saisir les grands défis de la communauté scientifique, de s'approprier des connaissances capitales pour leur permettre non seulement de comprendre, mais aussi d'être partie prenante. Ne pas intégrer le citoyen à la recherche en train de se faire, c'est ouvrir la porte à la propagation de fausses nouvelles, à la pseudo-science, voire à l'obscurantisme. La crise de Covid-19 que nous vivons actuellement est le parfait témoin de l'urgence d'une bonne communication entre scientifiques et citoyens. Les chercheurs et les citoyens doivent être en mesure d'avancer main dans la main et de se comprendre mutuellement. Alors,
D'ores et déjà, bravo aux candidats. En participant à ce concours, vous montrez votre intérêt pour la diffusion du savoir et votre engagement auprès du public qui vous écoute. Nous sommes d'autant plus fiers de vous, chers étudiants, que vous relevez un défi supplémentaire, celui de faire votre présentation en français. Bravo. Par cette initiative, vous vous placez comme acteur de la coopération scientifique entre nos deux pays. Une coopération riche et foisonnante, allant des sciences humaines aux sciences de l'ingénieur, des sciences environnementales aux sciences de l'information et de la communication, en passant par la volcanologie, la santé, la biologie, l'agriculture. Une coopération qui est vieille aujourd'hui de 70 ans et dont vous êtes l'avenir. Nos deux pays ont tant à apprendre l'un de l'autre. L'intérêt partagé dans la recherche scientifique a permis à l'Indonésie et à la France d'établir une relation de confiance. Cette relation a pu se développer au fil du temps et nous laisse entrevoir le futur des collaborations avec enthousiasme et sérénité. Conjointement, nos deux pays profitent de leurs différences historiques, géographiques, pour s'enrichir mutuellement et produire ensemble de nouvelles connaissances dans l'intérêt de tous. Continuons d'avancer ensemble vers plus de savoir. Je crois que j'arrive au bout de mes 3 minutes. Le défi est relevé. Chers candidats, c'est maintenant à vous. Nous sommes impatients de vous écouter. Merci et bonne soirée à tous. Maintenant que nous avons visionné donc, cette vidéo de Monsieur l'Ambassadeur, nous allons écouter quelques mots de l'attaché éducatif et culturel de l'ambassade d'Indonésie en France, Prof. Warsito. Prof. Warsito, c'est à vous. Merci. Bonsoir pour le temps indonésien et bonjour ou bien bon après-midi pour le temps français, pour vous qui sont en France. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Stéphane Duvert pour l'invitation qu'il m'a donnée. Merci également à M. Terry Marais ainsi que Mme Stéphanie pour la communication et la coordination concernant de ce plan d'activité. Chers les finalistes de la présentation du doctorant ma thèse en 180 secondes, ainsi que tous les publics participants distingués. Je ne vais pas donner mon discours dans 3 minutes, comme ce qu'il a évoqué le monsieur l'ambassadeur. Avant de poursuivre mes remarques, permettez-moi d'exprimer les excuses de la part de monsieur l'ambassadeur Nasir, qui n'a pas pu assister à l'invitation à cette activité en raison de son agenda chargé pour recevoir les délégations des États au cours de ces semaines. Salutations et haute appréciation de sa part à vous tous, en particulier aux finalistes. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. De plus, l'ambassade d'Indonésie en France soutient pleinement cette activité car elle peut être un support de partage des recherches menées par les doctorants, d'établir des communications de recherche collaborative entre doctorants et bien sûr devenir un support pour pratiquer la présentation des résultats de recherche dans un cadre clair et structuré et de manière concrète. Courte durée qui est de 180 secondes ou 3 minutes. Plusieurs fois, en fait, j'ai assisté en tant que jury à un examen aux soutenances de doctorants en France et la présentation la plus courte des résultats de recherche était environ 45 minutes. Et la discussion était également d'environ 45 minutes. Dont le total à peu près sont la durée à peu près d'environ 1h30. Bien sûr, transmettre les résultats d'une recherche doctorale menée pendant environ 3 ans, puis présenter pendant 3 minutes, n'est pas quelque chose qui est facile. Et par conséquent, je félicite les finalistes ainsi que les autres participants qui n'ont pas réussi. J'espère que l'avenir, ça sera pour vous tous, l'opportunité de l'avenir. Félicitations encore et merci pour votre attention. Et je vous souhaite une excellente présentation et bravo pour vous, les finalistes, les doctorants indonésiens, qui vont présenter votre résultat de recherche durant ou bien pendant 3 minutes. Merci et bonsoir à tous.
Merci beaucoup, prof Warsito, pour cette intervention. Alors, j'espère que vous resterez avec nous jusqu'à la fin de la compétition, car les candidats sont très concentrés. Alors, dans quelques minutes, ils commenceront leur présentation à tour de rôle pour tenter de convaincre les membres de notre jury de ce soir. Alors, je vais vous présenter les membres du jury, qui est composé de 4 personnes. Je vais commencer par le président du jury, Monsieur Stéphane Lauvert, conseiller d'opération et d'action culturelle et directeur de l'IFI. Bonsoir Stéphane. Monsieur Thierry Marais, attaché de coopération scientifique et technologique à l'IFI. Bonsoir Thierry. Madame Maya Pouspita, ancienne lauréate du concours MT180 et docteur en biologie marine. Bonsoir Maya. Bonsoir, merci. Et Madame Fozia Satriani, professeure de français à l'Institut français d'Indonésie. Bonsoir Fozia. Merci à tous les 4 d'être présents ce soir. Donc, nous aurons l'occasion d'écouter chacun d'entre vous à différents moments de la soirée. Alors, pour le moment, j'aimerais rappeler à l'audience les différents critères de sélection auxquels sont soumis les candidats par le jury. Donc, ce soir, les membres du jury vous noteront, chers candidats, sur votre talent d'orateur et votre implication. Si vous avez une voix claire et assurée, sur votre rythme de présentation, sur la fluidité de votre gestuelle, etc. Ils vous noteront aussi sur la qualité de la médiation de votre sujet, l'accessibilité de votre discours, l'apport du support visuel, sa pertinence. Ils vous noteront sur la structuration de l'exposé, sa construction, la mise en contexte, la bonne logique des enchaînements. Et enfin, il y a une catégorie coup de cœur, tout simplement. Alors, étant donné les conditions particulières de l'organisation du concours, il a été nécessaire pour nous d'adapter les règles de présentation des candidats. Par conséquent, voici les règles auxquelles sont soumis les candidats pour que cet événement en ligne soit le plus équitable possible pour tous. Les candidats doivent être debout et visibles de la tête aux genoux. Ils doivent être audibles à tout moment, qu'ils utilisent un micro ou non. Ils doivent placer leur diapositive en guise de fond d'écran sur Zoom, donc la projeter derrière eux. Ils doivent s'assurer de la bonne luminosité de la pièce où ils se trouvent et s'assurer d'être dans une pièce calme, sans bruit parasite. Alors, maintenant que nous avons présenté les membres du jury, les critères d'évaluation et les règles auxquelles sont soumis les candidats, nous allons bientôt démarrer. Chers candidats, soyez maintenant très attentifs parce que je m'adresse à vous. Je prendrai la parole avant chaque intervention pour annoncer le prochain candidat à se lancer. Une fois que j'aurai donné votre nom, vous passerez en mode plein écran pour tout le monde et vous aurez quelques secondes seulement pour mettre votre diapo en fond d'écran si ce n'est déjà fait. Alors, après quelques secondes d'échange, je signalerai le moment auquel vous allez commencer par la phrase suivante. Je dirai « Attention, c'est parti ». Une fois que j'aurai prononcé cette phrase, le chrono sera lancé et il sera impossible de l'arrêter. Donc, je répète, lorsque je dis « Attention, c'est parti », soyez prêts à commencer votre présentation. Alors, précédemment, j'ai procédé à un tirage au sort qui est inconnu des candidats et inconnu du public. Donc, l'ordre de passage est totalement aléatoire. Et donc, nous allons maintenant commencer. Et je vais vous annoncer donc, le premier nom et le premier candidat à passer. Donc, le premier nom qui avait été tiré au sort était Kadek Wiwika. Donc, Kadek, tu vas maintenant passer en mode plein écran. Et donc, en attendant que tout se mette en place et le chrono, Kadek, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, tu m'entends? Comment vas-tu? C'est bon? Oui, oui, on te voit bien. On attend un petit peu que pour le cadrage du chrono. Ce n'est pas facile à mettre en place comme ça à distance. Tu n'es pas trop stressé, Kadek, ça va? Oui, ça va. Ouais. C'est pas facile d'être le premier à passer. Donc voilà, donc, j'espère que tout le monde est prêt, que les membres du jury sont prêts. Donc je vous demande toute votre attention. Kadek, si tu es prêt, je dis les mots. Attention, c'est parti. Bonjour à toi et à tous. Depuis la pandémie, être un touriste est devenu un rêve enfant. Mais le tourisme revient à nouveau dans le futur proche, si ce n'est pas déjà le cas. Ce qui est la mode depuis quelques temps, et le tourisme de masse. Malheureusement, ce phénomène donne l'effet néfaste
sur l'environnement et la culture locale. Pour pouvoir accueillir les touristes, il faut construire de l'infrastructure comme hôtel et restaurant. Dans le but d'attirer plus de monde, nous pouvons oublier que le centre d'attraction peut être détérioré. Il est donc essentiel pour la personne en charge du tourisme en Indonésie de prendre en compte l'effet du tourisme en masse et le développement agressif sur la culture et l'environnement local. C'est pourquoi je suis très intéressé par l'intégration du développement durable pour le village vacances dans l'Indonésie. Dans ma recherche, j'utilise ma connaissance sur la condition des différentes destinations touristiques en Indonésie. Comme la France est connue dans le monde pour son succès en mission de développement et de management du tourisme, j'ai donc l'opportunité de prendre en exemple la gestion du développement touristique dans différentes villes de France. Vivant à Angers, je n'ai profité pour étudier la gestion du tourisme dans la ville de Saumur, une belle ville touristique qui a le succès de préservation de sa beauté naturelle, mais ne manque pas la visite de touristes internationaux. À la fin de mes études, j'espère un monde qu'en limitant le nombre de touristes dans un endroit n'est pas proportionnel à la diminution de revenus. Au contraire, nous pouvons augmenter la qualité du service aux visiteurs et par conséquent proposer le prix digne de cette qualité. Ensuite, pour produire l'électricité verte, nous pouvons opter pour l'utilisation de cette origine animale. Et enfin, dans le but de préserver la coutume locale, nous devons demander à les enfants comme l'ambassadeur de culture. J'espère que les résultats de mes recherches seront appliqués par les gestionnaires de villages vacances en utilisant leurs ressources potentielles en minimisant l'impact sur l'environnement. Dans l'avenir, les villages vacances en Indonésie pourront soutenir la préservation de la nature et de la culture locale, ainsi que générer la valeur économique pour la communauté. Je vous remercie et j'espère vous retrouver en vacances sur le soleil d'Indonésie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kadek. Nous allons maintenant passer au deuxième candidat. Donc, la deuxième personne à avoir été tirée au sort, c'est Estrelita Gloria Trulli. Donc, le temps qu'elle passe en plein écran et que le chronomètre soit installé, je vais voir, est-ce que tu m'entends, Estrelita? Oui. Alors, le chronomètre a déjà commencé, il faudrait le remettre au début, parce qu'elle n'a pas commencé sa présentation. Voilà, et ensuite, on pourra commencer. Vous m'attendez ? On va commencer. Dès que tu es prête ? Ok. Ah, il y a beaucoup d'écho. Tu es prête, Estrelita ? Ok. Attention, c'est parti. Il y a quelques années que je suis venue en France pour profiter de sa culture académique que j'admire depuis longtemps. En revanche, si je vous demande à penser à l'Indonésie, ce sont probablement les images des plages et des tombes de Bali qui vous viendront à l'esprit. Mais l'Indonésie, ce n'est pas que des places ensoleillées. Elle cache des histoires sombres et peu connues. 1965, le pays plonge dans l'abysse. Six généraux de l'armée sont assassinés. Immédiatement, l'armée va accuser le communiste d'avoir comploté un coup d'État.
la répression politique s'engage avec des arrestations en masse et des massacres, surtout à l'archipel. Après 2 mois de violence, l'armée prend le pouvoir et développe sa politique anticommuniste. Dans le but d'éliminer le communisme en Indonésie, le gouvernement demande la participation des institutions religieuses pour déradicaliser les prisonniers politiques accusés du communisme. L'Église catholique accepte, mais elle a un plan. D'un côté, elle va aider le pouvoir à lutter contre le communisme. De l'autre, elle va aider les accusés et leurs familles avec un programme de soutien social. Cette thèse tente d'éclairer l'action humanitaire de l'Église catholique au cœur des prisons, mais aussi la nature de ses relations parfois ambiguës avec le pouvoir militaire. Ce pouvoir nous a légué sa propre version de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons besoin de cartographier la face cachée de cette période et de présenter une vérité historique plus objective. En tant qu'historienne, j'essaie de comprendre l'échiquier politico-religieux de cette époque qui a posé les bases des relations entre le pouvoir politique et les diverses religions telles que nous les connaissons aujourd'hui. Ça n'a pas l'air très gai, n'est-ce pas? Au contraire, j'ai le sentiment d'apporter la voix d'une qui nous a été volée par la dictature. Par ailleurs, les rencontres avec ces témoins de l'histoire sont toujours des moments importants, précis et riches de leçons. Et je trinque à leur amour de vie et à leur santé avec un verre de bon vin. Merci. Merci beaucoup, Estrelita. La troisième personne qui a été tirée au sort est Nurul Huda Angrami. Donc, nous allons attendre qu'elle soit passée en mode plein écran et que le chronomètre soit mis en place. Nurul, est-ce que tu nous entends? Nurul? Maryam, excusez-moi, vous appelez Nurul Huda Angrami, non? Oui. Ah, ok. Nurul, tu nous entends? Ça, c'est les aléas de la connexion Internet. Nurul, est-ce que tu peux nous dire si tu nous entends? Alors, Nurul, je vois que tu es prête. Tu nous entends? Bonjour. Ah, bonjour. Est-ce que tu es prête? S'il vous plaît. Alors, si tu es prête, on va lancer le chronomètre. Alors, attention, c'est parti. Je vais vous parler des bateaux et des ports, rencontrer vos vacances d'été. Mais pour un juste la CNS, après le traité du 11 septembre 2001, l'Organisation Maritime Internationale et conjoint pour l'énergie de devenir pas seulement par la voie aérienne,
mais aussi vers la mer. Elle a donc décidé de recommander et d'appeler les mesures de sécurité pour le monde entier. Ces recommandations et les codes internationaux pour la sûreté des navires et des gens dans la zone portuaire. Ce code est composé de trois niveaux de sécurité. Le niveau 1, qui veut dire quitte tout fonctionnaire normalement. Le niveau 2 s'applique à cas de risque. Donc, les mesures de sécurité supplémentaires doivent être appliquées de mesures pour qu'on puisse retourner au niveau 1. Et le niveau 3, qui veut dire quand un incident de sécurité est amené, les mesures de sécurité spécifiques doivent être utilisées. L'Indonésie, étant un pays de l'archipel africain du Caraïbes, son port principal, qui se situe à Jakarta, est considéré comme la colonne vertébrale du développement national. L'Indonésie est la région d'Asie qui subit la conséquence passée. Il est impossible de devenir le plus fort maritime mondial si nous n'avons pas de port qui soit la poche de marrage des grands navires. Dans ma thèse, j'ai étudié les différents niveaux de sécurité du départ dans une ville baptisante. En analysant ces résultats, j'espère proposer des solutions pour optimiser la gestion du temps. En appliquant ces cours de sûreté et aussi le protéger les objets vitaux nationaux contre la cible des terroristes. Tanjung Priok a été développé pour devenir un centre logistique en Asie du Sud-Est. En tant qu'agent de dépôt de paix, ce sujet est important pour moi et c'est pour ces régions. Merci. Merci Nouroul, tu as fini? Merci beaucoup. Donc nous allons passer à la prochaine présentation. C'est celle de Sony Haribo. Sony, ça va être à toi? Allô, ça va? Oui, ça va Sony? Oui, merci. Oui. Vous, ça va bien, merci. Okay. On attend que le chrono soit mis en place. Et ce sera bientôt à ton tour. Où est le chrono? Ouais, on attend juste qu'une seconde que l'équipe d'organisation mette le chrono en place. Donc ça va, tu t'es bien préparé?
pardon. Tu t'es bien préparé, Sonny? Tu n'es pas stressé, ça va? Oui, ça va. Ah. On va tout aller. Tu es donc la quatrième personne, donc on en sera à la moitié après le passage de Sonny. Ça marche. Nous attendons toujours que le chrono soit mis en place, pas de problème. Ah, ok, ok. Je te donnerai le top donc, une fois que le chrono apparaîtra. Donc, on va attendre quelques instants. Bonjour tout le monde. L'Indonésie est le plus grand archipel au monde, composé de 17 000 îles. Là-bas, la terre bouge. Ça veut dire que le pays est assis sur des plaques tectoniques. Les mouvements de ces plaques provoquent des tremblements de terre à tout moment de l'année. Par conséquent, nous devons trouver la trace de la source de tremblement de terre dans toute l'Indonésie, en particulier dans endroits très peuplés, comme dans la capitale Jakarta. Là-bas, l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique d'Indonésie confirme qu'il y a des tremblements de terre, dont 3 à Jakarta et 2 à Subang ces dernières années. Pas très loin, en 1990, au sud de Cirebon, un tremblement de terre d'une magnitude de 5, c'est probablement une grande faille qui coupe Java d'est en ouest. Mais sa trace et son histoire sont difficiles à étudier à cause de travaux d'érosion qui est élevé par rapport aux Alpes ou les Pyrénées. Cependant, pour observer le faille, je regarde le changement de surface topographique sur la surface dès qu'il y a un tremblement de terre. Je suis la trace de faille autour de Subang et je fais la connexion avec celle qui va faire Jakarta. Mon objectif est de chercher la preuve de l'existence de la faille et de son activité. Pendant mon travail de thèse, j'ai pu visiter la fameuse faille de Subang et j'ai aussi creusé jusqu'à 5 à 10 mètres profondeur pour déterminer l'âge de chaque surface topographique coupée par un saison. Je peux ainsi quantifier la fréquence du tremblement de terre pour prédire si d'autres catastrophes similaires menacent Java et quand il faudra ses valises. Face à la nature, l'homme est impuissant. Mais dans notre l'impuissance, permettez-moi de contribuer mon travail comme une preuve concrète qui peut servir au gouvernement de Jakarta dans la prise de décision pour planifier le développement des infrastructures. Merci. Merci beaucoup, Sonny. Merci. Alors, la cinquième candidate est Irmawati Sagala, qui va donc normalement maintenant passer en mode plein écran. Je ne sais pas si tu nous entends. Tu nous entends? Ah, tu peux activer ton micro? Oui. Oui, très bien. Ok. Bon, donc on attend que le nouveau chrono soit mis en place. Et ensuite, ce sera à toi de commencer. Tu te sens prête, Irmawati? Oui. C'est très bon. Alors, donc on est impatient que tu nous fasses ta présentation.
Donc, je vous demande quelques secondes. C'est parti. Bonjour à tous. Depuis le XVIIe siècle, Jambi était gouverné par un sultanat malais islamique. Ce caractère islamique a continué à être internalisé dans la mémoire communautaire de la communauté locale qui se manifeste dans le dicton coutumier, la coutume basée sur la charia et la charia basée sur le Coran. Mais est-il vrai que le sultanat de Jambi a mis en place un système politique et gouvernemental islamique ou était-ce un modèle d'intégration entre l'islam et la coutume comme cela arrivait généralement au sultanat malais islamique de l'archipel? J'ai travaillé dans ma thèse pour répondre à cette question. J'ai limité mon travail à la période la plus mémorable de ce sultanat, donc de 1855 jusqu'à 1942. Pendant ma thèse, j'ai fait mon investigation dans différents pays où se trouvent des manuscrits ainsi que des documents coloniaux, à savoir l'Indonésie, les Pays-Bas, la France et la Turquie. J'ai eu aussi l'opportunité de discuter avec un expert de l'histoire de Jambi aux Pays-Bas et les historiens indonésiens qui font référence sur ce sujet. Ma recherche conclut que l'islam s'est intégré à la coutume dans le système gouvernemental du sultanat de Jambi au cours du dernier demi-siècle du sultanat. À cette époque-là, le sultanat de Jambi appliquait un certain nombre de principes de gouvernement islamique, bien qu'il respectait toujours le système coutumier qui, selon le jugement de l'élite politique gouvernementale, était toujours accepté par la charia. Un certain nombre de changements ont été apportés par le gouvernement colonial après la conquête de Jambi en 1904. Ce modèle de structure de gouvernement régional s'était généralement poursuivi après l'indépendance de l'Indonésie, comme s'il s'agissait encore d'un tout système de gouvernement du sultanat de Jambi. Des études pourraient aider le gouvernement local à peser le pour et le contre de faire vivre le modèle de gouvernement traditionnel. Parce que les enjeux sont différents, l'époque est différente, le résultat obtenu ne serait pas souhaité. Autre temps, autre mot. Merci. Merci beaucoup, Irma Wati. Merci. Nous allons maintenant écouter la sixième candidate de la soirée, Miratul Mufida. Est-ce que tu nous entends et est-ce que tu es prête? Oui. Oui, tu nous entends bien? Je suis, oui. Attends, je vais juste allumer la caméra parce que je connectais sur deux appareils pour éviter okay. Le problème. On te voit bien et on t'entend bien, donc a priori, tout va bien. Ça marche. Ok. Super. Donc, tu te sens prête? Pas encore. Attends, ouais. Je pense que ça, c'est bon. J'espère que ça, c'est bon, ouais. C'est bon? Ok, je suis prête. Merci. Donc, si le chrono est prêt à être mis en place, donc je vais donner le top. Attention, Mufida, c'est parti. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Dans ma ville intelligente, nous avons des voitures connectées. Dans ma ville intelligente, nous avons des trains autonomes. Dans ma ville intelligente, nous parlons à notre smartphone lorsque nous nous réveillons. Mais aussi, dans ma ville intelligente, nous ne savons toujours pas où trouver une place de parking disponible pour fougarer nos voitures très vite et avec le moindre coût. L'autre jour, ma collègue et moi avions une réunion très importante à Lille. Nous ne connaissions pas la ville ni le bâtiment où se déroulait la réunion. Nous sommes donc partis chacun de notre côté.
et toutes les deux, nous ne trouvons pas d'endroit où nous garons. C'est la galère pour trouver une place libre à l'île. Cependant, je suis arrivée à temps grâce à mon sixième sens. Tandis que ma collègue a totalement raté la réunion. Êtes-vous curieux de savoir quel est mon sixième sens? Comment ça marche? Imaginez que vous voulez sortir pour faire une balade car il fait beau. Vous mettez votre jolie robe ou votre short coloré. Malheureusement, vous constatez le temps change soudainement et vous êtes mouillé de la tête aux pieds. Vous auriez dû regarder la météo. On a aujourd'hui des systèmes qui prédisent quel temps qu'il fera demain, s'il pleuvra ou s'il fera chaud. Je fais la même chose, mais dans le domaine du transport et du stationnement, pour aider les personnes à garer leur voiture en un temps record. Actuellement, je travaille sur la big data et intelligence artificielle pour les systèmes de transport. Je collecte mes données en ligne, je programme et je fais beaucoup d'expérimentations. Grâce aux données, je construis une application pour prédire la place du parking qui sont libres dans n'importe quelle ville. En laissant ma machine apprendre à prédire les futurs emplacements disponibles. En tenant compte du jour de la semaine, et du trafic dans les différents quartiers, ma machine arrive à calculer les zones de parking qui sera la moins fréquentée le jeudi midi à Lille ou le samedi soir à Marseille, par exemple. Ne vous énervez plus à chercher une place pour vous garer. Utilisez mon appli. En utilisant mon système, nous diminuerons la pollution dans l'air dans nos villes et du coup, respirons de l'air frais et pur et gagnerons de l'espace et du temps. Là, c'est mon sixième temps. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Moufida, sur le fil. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci. Nous allons maintenant écouter la septième candidate, Denis Andriani. Denis, est-ce que tu nous entends? Bonjour. Bonjour. Ça va, tu es prête? Yes. Yes, ok. Du coup, je vais donner mon top. Attention, c'est parti. Tourisme. Dernièrement, ce mot ne vous évoque pas un sentiment positif. Nous sommes inondés sur les reportages sur les touristes qui, par ignorance ou par négligence, ne respectent pas la coutume locale. La population locale est aussi influencée par le comportement des touristes, qui veut ensuite diminuer l'application des traditions. De plus, le développement du tourisme peut occasionner des dégâts irréversibles sur l'environnement, comme les usages de l'eau, la production d'énergie, l'utilisation des sols sont les secteurs qui ont le plus grave incidence sur l'environnement dans les destinations touristiques. Mais, de l'autre côté, dans le but de préserver la tradition, nous ne pouvons pas interdire la visite. Les données de revenus d'Indonésie montre que le tourisme contribue comme le numéro 4 derrière l'export du pétrole, du gaz, du charbon, de l'huile palme. Pour cette raison, je suis intéressée à proposer le tourisme comme un moyen de préservation de la tradition, c'est-à-dire les produits que nous allons montrer sur la vitrine n'est pas quelque chose que vous pouvez emballer dans votre valise, mais une expérience à vie. Dans ma recherche, je travaille à Jawi Jawi et Nagari Tuopariaman, deux villages dans l'ouest de Sumatra. Ces deux villages seraient développés
comme un endroit que vous pouvez vivre comme des gens locaux. Vous vivez avec eux. Vous portez comme le même style vestimentaire et goûtez la cuisine locale. Au-delà de vivre votre vie comme un Jawi-Jawi, vous allez aussi expérimenter la coutume à triage, qui est la plus particularité des traditions Minangkabau. Des femmes qui prennent les rôles centrales dans la culture accueillent et guideront des visiteurs en même temps offrent des repas aux touristes. Avec ma thèse, je souhaite réinventer le tourisme comme un moyen de la préservation de la tradition ainsi que promouvoir la tradition de famille Minangkabau. Merci! Merci, merci beaucoup, Denis. Merci. Donc, on va passer maintenant à la 8e candidate, sans surprise, Dewi. La dernière, ça va être à toi. Alors. Attendez, je ne suis pas prête. Prends ton temps. Je prends la position des boums. Ah, attendez, ça c'est bon ou pas, ma position des boums. Oui, on te voit très bien. Vous me voyez très bien, ok, ouais. Avec la position. Et vous m'entendez bien? On t'entend très bien aussi. Tu te sens prête à commencer? Attends. On attend. Ok. Ok, alors attention, c'est parti. Bonjour à tous. Je vais vous parler du problème juridique en Indonésie. Savez-vous quel est le problème? Il y a deux hautes cours en Indonésie, c'est-à-dire la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Mais la Cour suprême n'applique pas la Convention internationale sur la résolution des litiges, car il n'y a pas de règle spéciale pour mettre en œuvre cette convention. Par conséquent, les décisions des tribunaux étrangers concernant, par exemple, une solution en cas de dispute entre un citoyen français et un citoyen indonésien ne peuvent pas être mis en pratique en Indonésie. Par contre, selon la Cour constitutionnelle, il faut respecter les conventions internationales en bonne foi d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités. Donc, vous voyez que les tribunaux indonésiens ont des difficultés à utiliser le droit international. En tant que juriste indonésienne, je souhaiterais résoudre ce problème à la lumière du droit français. Vous pensez probablement, pourquoi le droit français? La première raison, c'est qu'il y a une relation historique entre la France et l'Indonésie. Au XIXe siècle, Napoléon Bonaparte a colonisé les Pays-Bas. Donc, l'Indonésie est devenue une colonie française. Napoléon Bonaparte a nommé le gouverneur général Herman Willem Daendels pour organiser le système d'administration. Ce dernier constitue ensuite le système judiciaire en créant la Cour suprême en Indonésie. La deuxième raison, c'est que les hautes cours en France, à savoir la Cour de cassation, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, appliquent bien le droit international. Pour résoudre ce problème juridique en Indonésie, je compare le droit français et le droit indonésien. Je commence par étudier l'histoire des constitutions, les lois, les traités internationaux, les conventions des Nations Unies et la Convention européenne des droits de l'homme. Puis, j'analyse comment la Cour constitutionnelle, la Cour suprême en France et en Indonésie, ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne et enfin la Cour internationale de justice appliquent ces instruments juridiques dans leurs décisions. Mon objectif est d'améliorer le système judiciaire indonésien en révisant sa constitution afin que notre Cour constitutionnelle et notre Cour suprême puissent bien appliquer le droit international. Si je peux parvenir à ce but, il n'y aura plus de contradictions entre le droit international et le droit indonésien. Enfin, permettez-moi de citer Victor Hugo. Faire justice est bien, rendre justice est mieux. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dewi, pour sa présentation. Je vous en prie. Merci beaucoup.
C'était donc la dernière présentation ce soir. Vous aurez remarqué qu'au début, on a eu un petit problème avec le chrono, ce qui tombe vraiment très très mal pour ma thèse en 180 secondes. C'est que du coup, l'association du chronomètre et du zoom a malheureusement ralenti le petit chronomètre, donc on l'a changé. Ce qui est dommage, c'est que du coup, sur les trois premiers candidats, on n'a pas pu voir à quel point, mais on l'a vu après, ils étaient exacts sur le temps des 3 minutes. Donc, je pense que tout le monde l'a remarqué et que vous saurez tenir compte de la gestion du temps des candidats. Donc, désolé pour ce désagrément. Merci à tout le monde pour les présentations. Il va être temps pour le jury d'aller délibérer. Donc, chers membres du jury, vous devez normalement recevoir un lien qui, en cliquant dessus, vous emmènera vers une salle de délibération où nous ne pourrons pas vous entendre et où vous pourrez débattre tranquillement de qui est le vainqueur et des lauréats. En attendant, je vais vous présenter, enfin, le jury aura une vingtaine de minutes pour délibérer. Et nous, en attendant, on va continuer l'événement. Et je rappelle qu'il y aura 3 lauréats pour le concours. Et donc, je vais vous rappeler les prix. Donc, le 3e prix remporte une participation à une inscription à un colloque international de son choix pour une valeur totale de 500 euros. Le 2nd prix remportera une inscription à un colloque de son choix pour une valeur de 1000 euros. Et le 1er remportera l'inscription et le séjour pour le colloque de son choix pour une valeur totale de 2000 euros. Donc, quand on dit colloque de son choix, bien entendu, toutes les demandes des lauréats seront soumises à validation par l'IFI et par l'université de référence du candidat. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont de très beaux prix. Je souhaite bon courage à nos participants qui ont travaillé dur et ça s'est vu ce soir. Et en réalité, ça n'a pas été les seuls à travailler dur. Et ils n'ont pas été tout seuls dans leur travail parce qu'ils ont été coachés pendant 2 mois par Madame Gemala Absari, qui est une ancienne lauréate du concours AMT 180 et que nous aimerions entendre ce soir. Donc, Gemala, est-ce que tu m'entends ? C'est pendant la discussion. Alors, Gemala, je pense qu'il y a... Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux... Activer ton... Désactiver... Voilà, très bien. Maintenant ? Oui, là, je t'entends. OK. Très bien. Alors, Gemala, moi, j'aimerais te poser quelques questions à toi qui as été coach et candidate. Donc, j'aimerais te poser des questions à propos de ces deux casquettes. Alors, en tant qu'ancienne candidate au concours, quelles sont, selon toi, les principales difficultés qu'on peut rencontrer quand on prépare ma thèse en 180 secondes ? De mon expérience, la première difficulté est la concrétisation des idées que nous avons dans la tête pour les transformer dans un texte captivant, assez précis, mais sans jargon. C'est-à-dire que nous avons des connaissances dans notre domaine de recherche, nous connaissons son objectif et sa démarche, mais nous ne sommes pas entraînés pour les décrire simplement, donc la vulgarisation est la plus grande difficulté. La deuxième, bien sûr, la langue française elle-même. Je ne suis pas locutrice native de la langue de Molière et il existe donc un défi dans la prononciation, surtout les voyelles nasales et les exceptions pour les liaisons. La troisième est la mémorisation des textes. Cette difficulté est liée étroitement avec la difficulté que j'ai citée précédemment. Nous pouvons maîtriser le français, mais nous manquerons de naturel pour nous exprimer dans une langue étrangère que nous connaissons depuis si peu de temps par rapport à l'anglais, que dans mon cas, par exemple, j'ai appris à l'âge de 7 ans, tandis que le français à l'âge de 32 ans. La quatrième difficulté est la présentation en public. Cela est lié avec la difficulté de mémorisation du texte. C'est-à-dire, il faut que nous donnions l'air naturel et détendu en parlant d'un sujet compliqué dans une langue que nous avons commencé à apprendre récemment. Nous n'avons pas... la faculté de jongler avec les mots, encore moins avec les expressions, comme ce que nous pouvons trouver chez les candidats français ou belges, entre autres. Voilà. D'accord, merci beaucoup.
Oui, on sait que c'est toute la difficulté du concours, ma thèse en 180 secondes, version indonésienne, qui n'est pas du tout comparable au concours qui se tient dans les pays francophones. Donc là, c'est totalement différent. Est-ce que tu peux nous dire ce que ce concours t'a apporté finalement? Tout d'abord, j'ai apprécié énormément le prix que j'ai gagné, le vol en apesanteur, dans la photo ici. Et la rencontre avec M. Jean-François Clairvoy, un astronaute français qui a participé dans 3 missions spatiales avec la NASA, ont changé complètement ma vie. Deuxièmement, en dehors du prix, je suis toujours fière d'être la représentante de l'Indonésie lors de la finale internationale à Rabat au Maroc. C'est une opportunité qui se présente très rarement dans une vie. Troisièmement, dans le processus de préparation du concours, je me suis rendu compte de mes défauts linguistiques qui sont devenus mes sources quotidiennes de progrès. Je suis fière de ma progression, mais c'est une histoire continue qui me motive aussi à maîtriser d'autres langues étrangères comme l'allemand, le norvégien et le russe. Et enfin, ce concours m'a donné aussi l'opportunité de rencontrer M. Nicolas Gascon, qui était l'attaché scientifique de l'ambassade et avec qui je garde un bon contact. De plus, suite à ma victoire, j'ai eu l'opportunité de devenir coach pour la première fois en 2017, deuxième fois en 2018 et troisième fois cette année. Cette expérience de coach m'a enrichi intellectuellement ainsi que professionnellement. Alors, justement, tu me fais une transition toute naturelle. Et en tant que coach, comment tu juges l'évolution des candidats que tu as pu avoir, que ce soit cette année ou d'un point de vue général? Quelle est la différence entre quand tu les prends au début des 2 mois et à la fin du coaching? Cette année, c'est la 3e fois que je prends la responsabilité comme coach. Chaque promotion a sa particularité, ce qui rend mon travail à la fois intéressant, mais aussi stimulant. Mais une chose certaine, c'est que je suis toujours fière de tous les candidats. Au début, ils n'étaient pas tous conscients du délai jusqu'à la finale. C'était donc ma responsabilité de devenir quelqu'un qui est pénible, dans le but que tous les candidats se préparent raisonnablement pour leur 180 secondes célébrité. Pendant le travail de texte, ce n'était pas facile pour la plupart d'entre eux d'abandonner l'idée que nous n'allons pas nous présenter dans une conférence. Donc, j'ai dû faire face aux résistances des jargons et des phrases compliquées. J'ai aussi rappelé que la capacité de raconter un sujet complexe dans la manière simple, autrement dit la vulgarisation, n'appartient pas qu'aux sciences dures. Au fur et à mesure, chacun commence à mettre une partie de sa personnalité dans son texte et des fois en changeant les textes proposés par moi-même ou par quelqu'un dans leur entourage. Ils ont compris que l'appropriation du texte est une des clés de la réussite. Ils avaient tous aussi peur que leur accent indonésien les empêche de faire le discours correctement, mais avec le travail de prononciation que nous avons fait ensemble, ils sont arrivés à maîtriser le contenu des textes. Donc, c'est plutôt une très bonne évolution depuis le début jusqu'à la fin. Moi, pour avoir beaucoup échangé avec toi, Gemala, dès le début, et avoir assisté à quelques séances des candidats, je tiens vraiment à vous féliciter parce que c'est vrai qu'en 2 mois, vous avez eu une évolution assez impressionnante. Et donc, j'étais très, 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 très heureuse de vous écouter ce soir. Gemala, sur quel point tu dirais qu'ils ont le plus de difficultés? En général, pas forcément cette année, hein, je ne demande pas de pointer les candidats du doigt, mais en général, quand tu prends le travail global, parce que tu travailles sur vraiment beaucoup de points avec les candidats, peut-être que tu peux aussi nous dire sur quel point tu travailles avec eux, mais où tu juges qu'il y a le plus de difficultés, où c'est le plus difficile de passer le cap? Je pense les difficultés en général pour les différentes années, c'est plus ou moins pareil avec les degrés de changement qui varient suivant le niveau de français ou l'état d'esprit des candidats. Mais comme ce que je l'ai déjà évoqué à la question précédente, cette année est particulièrement difficile au niveau de la vulgarisation. Ils ont peur si, par exemple, le jury ne pouvait pas trouver le nom d'un équipement spécifique ou le règlement numéro
je ne sais pas, par exemple, 118-712, qu'ils ont utilisé comme base de référence, ils allaient être disqualifiés. J'ai même répété pour une énième fois qu'ils doivent être capables de raconter leur discours et de le faire comprendre à leur coiffeur ou à leur boulanger ou à n'importe quelle personne qui ne partage pas les mêmes connaissances qu'eux. À mon avis, les autres difficultés possibles dans ce concours sont devenues presque négligeables comparées aux lourdeurs de travail de vulgarisation des textes. Mais pour moi, malgré toutes les difficultés dans la préparation du concours, j'espère que notre expérience de travailler ensemble leur apportera plus de connaissances de la langue française en particulier et de la culture française en général. Une expérience qui sera chère pour chacun de nous. Merci beaucoup, Gemela. Un petit mot pour les candidats que tu as finalement suivis pendant 2 mois. Tout d'abord, je voulais remercier tout le monde pour me supporter parce qu'avec autant de messages que j'ai envoyés, que j'ai rappelé plusieurs fois, avez-vous changé ce que je vous ai demandé? Avez-vous travaillé? Regardez tous les détails. Je suis consciente que je suis un peu pénible, mais ça fait partie de mon travail parce que je souhaite rien que la réussite pour la finale. Et je suis contente de pouvoir faire la connaissance avec tous les candidats des différentes années, de travailler avec chacun qui m'a... j'apprends beaucoup de chacun d'eux aussi, c'est-à-dire en étant coach pour les candidats, je me suis rendu compte que j'ai aussi beaucoup de défauts quand je parle français dans le niveau de grammaire et tout ça. Donc, j'apprends beaucoup de mon travail des candidats. Donc, je vous remercie pour toutes vos patiences, tout votre travail. Je sais bien que ce n'était pas facile et je suis terriblement fière de vous aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Gemela. Merci pour ton intervention. On est très, très content de t'avoir ce soir et très content que tu aies pu intervenir parce que c'est important. Et parce que je répète que Gemela a fait un très long travail et surtout un travail à tous les niveaux. Donc, elle a rempli plusieurs rôles. C'était une aide au travail de vulgarisation, c'était une aide à la prononciation en français, une aide à la présentation sur scène. Et comme je disais, pour avoir vu les candidats au début et les voir maintenant, je me rends compte vraiment du travail qui a été fait à plusieurs niveaux. Donc, félicitations pour ça, Gemela. Et donc, on espère te revoir pour d'autres éditions. Et merci beaucoup pour ton intervention. Avant d'entendre les membres du jury, nous allons vous diffuser une petite vidéo sur les activités de l'équipe de coopération scientifique de l'IFI pendant que le jury continue à délibérer. Qui dit science dit objectivité, critique et ouverture d'esprit. Des valeurs le plus souvent cultivées dans un cadre coopératif pour apporter les réponses nécessaires à nos sociétés pour avancer vers une connaissance partagée et utile, aujourd'hui comme demain. Chacune avec ses spécificités, la France et l'Indonésie unissent leurs efforts de recherche pour répondre aux enjeux communs ou propres à leur territoire. Les 3500 chercheurs impliqués dans cette coopération bilatérale et les 300 projets portés chaque année témoignent du dynamisme de la coopération scientifique et technologique soutenue par l'ambassade de France en Indonésie. Nous vous accompagnons activement grâce à nos 3 piliers d'action, la mise en réseau, le financement et la valorisation. Au tout début d'un accord de coopération, nous jouons un rôle clé pour que la France contribue au développement durable de la science en Indonésie, en lien avec d'autres acteurs internationaux. Nous vous confectionnons une approche sur mesure pour que vous trouviez le partenaire qui vous convient. Une fois connecté, vous pourrez accéder à un ensemble de programmes de financement conçus spécifiquement pour rendre la coopération fluide et progressive. Les programmes Science et Impact, Nusantara ou Joint Funding Scheme vous accompagneront dans votre voyage de coopération franco-indonésienne en répondant à vos demandes de mobilité à court ou long terme, en vous offrant des opportunités de formation, de doctorat ou de post-doc, ou bien en finançant les équipements dont vous avez besoin.
profiter de nos événements et rassemblements qui s'ancrent dans la vie locale et nationale de nos deux pays. Venez écouter nos ambassadeurs scientifiques promouvoir leurs recherches à l'étranger. Partagez vos connaissances et votre enthousiasme avec les enfants de toute l'Indonésie pour qu'ils comprennent comment la science peut influer sur leur vie quotidienne. Parce que l'unité est force, tout le monde progressera dans une coopération entre chercheurs indonésiens et français. Rejoignez notre grande famille. Retrouvez-nous lors de nos événements en ligne ou plongez dans notre grand livre de la coopération. Il y a mille et une façons de se rencontrer. Alors maintenant, le jury a fini de délibérer. On va laisser quelques minutes à l'équipe technique pour préparer l'annonce des vainqueurs et des trois lauréats. Et en attendant, j'aimerais bien poser quelques questions à deux membres du jury, à Maya Puspita et Fosia Satriani. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, Myriam. Oui, vous m'entendez ? Alors, j'aimerais commencer par Fosia, en tant que vous êtes professeur de français, donc à l'Institut français d'Indonésie. Et donc, moi, j'ai une question pour vous. J'aimerais vous demander, à ce titre, comment vous percevez la participation des étudiants à ce concours, sachant qu'ils s'entraînent de façon assez intensive. Oui. Alors, mais en fait, tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier tous les participants, parce que je crois qu'ils ont vraiment réussi à présenter la recherche avec chacun son propre style et sa propre façon et aussi son propre langage. Et parce qu'en fait, rendre une chose aussi complexe qu'une recherche scientifique et en plus la faire comprendre auprès d'un grand public, je crois que ce n'est vraiment pas simple à faire. Alors, et le fait qu'on ne devait choisir que trois lauréats parmi les huit présentation vraiment remarquable, ça nous a fait un peu mal au cœur. Voilà, donc, mais alors, on a tous trouvé que tous les participants ont présenté vraiment leur travail de façon vraiment extraordinaire. Je crois que les autres sont aussi d'accord avec moi. Merci beaucoup, Fosia. Merci d'avoir fait partie de ce jury. Donc, merci pour votre intervention. Maintenant, j'ai une petite question pour Maya. Oui. Maya, oui, tu m'entends très bien. Donc, donc, on s'est déjà rencontrés parce que tu es ancienne participante du concours. Tu as été coach l'année dernière. Cette année, tu fais partie du jury. Donc, tu as un petit peu bouclé la boucle. MT180. Alors, est-ce que toi, tu vois les choses, est-ce qu'on voit les choses différemment quand on a été ancien participant et en tant que membre du jury? Comment t'appréhendes les présentations des candidats? De toute façon, félicitations pour tous les participants, pour tous les candidats ici. Présenter sa thèse, ce n'est pas facile, surtout dans Zoom, parce que je crois que mais c'est bien pour les participants parce qu'ils sont moins stressés, je crois, parce qu'il n'y a personne qui vous regarde directement sur place. Mais au niveau de l'esprit de la compétition, c'est toujours la même chose avec la dernière session, la dernière édition. Je trouve que c'est bien pour toujours faire cet événement parce que ça donne une chance pour les doctorants surtout. Pour comment présenter ses travaux de la recherche, mais avec la langue qui est moins difficulté, qui peut facilement comprendre pour les publics. Donc, au niveau de l'esprit, je pense que c'est toujours le même. Il n'y a pas de chose qui est différente par rapport à la dernière session, mais c'est juste comment pour le faire, parce que maintenant, on ne se voit pas direct. Mais c'est vrai, il y avait un problème avec les chronos, mais j'espère la prochaine fois, ça va aller.
C'est tout, merci. Merci Maya. On espère surtout que la prochaine fois, on pourra faire un vrai événement en présentiel, ce qui nous permettrait d'éviter ce genre de... On croise les doigts. On croise les doigts. Merci beaucoup Maya et merci Fosia aussi pour votre intervention qui nous aide surtout à comprendre différents points de vue parce qu'on prend volontairement des membres du jury qui viennent de milieux différents et qui ont des compétences et des avantages différents pour pouvoir justement pour qu'ils puissent avoir une expérience et apporter une expérience différente à chaque fois. Donc, merci Maya et Fosia pour votre intervention. Nous allons maintenant écouter le président du jury, Monsieur Stéphane Dover, qui nous dira, j'espère bien, tout d'abord un petit mot, et qui ensuite nous annoncera les gagnants du concours. Stéphane, je me permets de vous rappeler que l'annonce des gagnants se fera tout d'abord par le troisième, puis le deuxième, puis le premier. Hein, classique, faisons durer le suspense. Donc, Stéphane, dès que vous êtes prêt, nous vous écoutons. Vous m'aviez privé de micro. Le micro a été activé. Et voilà. Mais merci beaucoup à tous. Alors, c'est un exercice fascinant, hein, comme toujours. Ma thèse en 360, c'est une idée merveilleuse. Parce que les chercheurs ont pour mission, et les doctorants, bien sûr, ont pour mission de nous éclairer le monde, de nous faire comprendre, de faire comprendre le monde. Et c'est très important, on n'est pas passif face au monde grâce aux chercheurs, grâce aux doctorants. Le problème, c'est que, évidemment, une recherche est toujours très spécialisée. Et quand on dit qu'il faut que les chercheurs font comprendre le monde, on peut se dire, mais ils le font comprendre à qui ? Alors, ils le font comprendre dans la sphère spécialisée qui est la leur, leurs pairs, ceux qui sont comme eux, d'autres chercheurs. Et c'est comme ça que la science avance. Mais en même temps, c'est frustrant pour tous les autres, tous ceux qui ne comprennent pas bien leur domaine. Et donc là, c'est trouvé, comme toujours, c'est formidable parce que ça donne à des gens qui ne connaissent pas un domaine un accès formidable à ce domaine. Tout d'un coup, on comprend des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir comprendre. Et puis, c'est un autre effet positif, c'est que ça donne aux citoyens le sentiment que oui, la science, c'est vraiment utile, parce que certains en sont convaincus, et puis d'autres se disent, bon, si on ne comprend pas, c'est que ce n'est pas très utile. Et donc, quand on comprend, quand les chercheurs se donnent la peine de faire comprendre, eh bien, tout d'un coup, on voit que la science, c'est absolument fondamental pour le progrès des sociétés, pour le progrès de l'homme, mais aussi pour les progrès et la préservation de notre planète. Donc, je remercie beaucoup tous les doctorants qui se sont prêtés, ou les jeunes docteurs qui se sont prêtés à l'exercice. C'est formidable. C'est toujours difficile de choisir, c'est sûr. On a eu des difficultés pour choisir. J'ai d'ailleurs, si vous permettez, peut-être dans le chat, je veux bien, parce que je ne voudrais surtout pas faire d'erreur au moment de l'annonce, je voudrais bien que l'on me reprécise le ou la numéro 2, de manière à ce que je ne fasse pas d'erreur, car je ne m'attendais pas à faire l'annonce. Alors, ça maintient un petit peu le suspense. Il va sans dire que tout était bien, hein, tout était bien, et puis aussi il va sans dire que l'exercice ma thèse en 360, ça n'est pas une évaluation de la thèse elle-même, hein. Nous sommes d'accord, ça n'est pas une évaluation de la thèse elle-même, c'est une évaluation de l'exercice amusant, utile comme je le disais, mais de cet exercice qui consiste à la présenter et à présenter tout ça en 360 secondes. Et si ça se trouve, je ne sais pas, mais si ça se trouve, les meilleures thèses ou les thèses qui ont le plus d'avenir ne sont pas celles qui sont primées. Peut-être même que les thèses qui vont le mieux fonctionner n'ont pas été sélectionnées parmi les finalistes. Mais je crois que tous les finalistes ont quelque chose en plus. Quelque chose en plus, c'est cette capacité à partager, cette capacité à nous rendre accessible la science. Alors maintenant, il va être l'heure de... Tatin. Oui, je ne m'étais pas trompé.
Je ne m'étais pas trompé, mais je voulais vraiment être absolument sûr avant de vous annoncer les résultats. Alors, musique. Le troisième prix est attribué à Estrelita Gloria Trulli. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations, Estrelita. Tu dois dire quelque chose ? Non, ça va, non ? Alors, on voudrait écouter quelques mots à la fin. Donc, pour l'instant, on va continuer l'annonce des lauréats. Et puis après, bien sûr, vous direz quelques mots tout à l'heure. Félicitations, Estrelita. Merci beaucoup. Et merci, Kamala. Alors, la deuxième prix. J'ai dit là, déjà, j'ai trahi une partie du secret. Le deuxième prix va donc à Dewi Nouroul Savitri. Félicitations. Félicitations. Le premier prix, aïe, suspense, insoutenable. Nous avons déjà eu le deuxième et le troisième prix. Alors, je dois vous dire, parce que c'est assez rare pour être noté, que le premier prix a vraiment été choisi à l'unanimité. Alors là, il n'y a pas eu du tout de discussion, même pas vraiment de... Il n'y a pas eu de combat. Le premier prix est donc attribué à... Miratul Mufida. Merci beaucoup. Et la prochaine fois que je vais à Lille, je veux pouvoir me garer. Ça marche, c'est gratuit en plus. Même c'est pas facile. Alors Myriam, tu nous promettais de donner la parole aux candidats. On commence par Estrelita. Allez, très bien. Estrelita, on t'écoute. Franchement, j'ai rien préparé parce que je ne m'attendais pas. Je vous avais bien dit, au cas où vous soyez vainqueur, vous pouvez préparer un petit peu comme les Oscars. Oh, ok. D'abord, merci à mes amis, parce que vraiment, c'est des amis dans ces groupes qui ont donné beaucoup d'encouragement. Et aussi, Gamala, vraiment, grand merci à toi, Gamala. après, à Ifi, merci beaucoup pour cette opportunité. Et Myriam, je t'oublie pas. Vraiment, merci d'avoir organisé tout ça. Merci. Et des collègues aussi à IFI. Vraiment, merci. Voilà. Merci beaucoup, Estrelita. Merci à toi. Nous pouvons maintenant écouter quelques mots par la deuxième lauréate. Est-ce que tu es là? Oui, je veux... Ah, mais oui. On t'écoute. Oui, merci. Oui, grand merci à vous tous et surtout je remercie infiniment à Gamala, à Gemi, elle est vraiment un bon coach et puis aussi bien à mes amis parce que même si ça c'est la compétition mais tous les participants nous supportent tous les autres et donc ça me touche beaucoup la compétition et aussi bien IFI pour organiser bien cette concours, cette MT180 et merci beaucoup à tous. Voilà. Merci beaucoup Dewi, merci et félicitations encore pour ce deuxième prix
Et si on écoutait donc quelques mots du premier prix à l'unanimité, comme vous l'a dit Stéphane, sans discussion, sans... Donc, c'est quand même incroyable. Donc, Milatou, on t'écoute. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Super. Donc, je n'ai pas répété encore. Je remercie pour tout, pour les jurys, Monsieur Stéphane, Monsieur Thierry. Je vais ouvrir toute la galerie pour lire tous les noms, en fait, pour ne me tromper pas. Et la première, oui, finalement, merci beaucoup à Gemi, à Gemala, pour le type de coach qui était très sympa et super bon. Si on a beaucoup d'occupations, on fait de la recherche, mais on peut aussi faire autre chose comme ça pour faire une expérience et après pour faire tout, montrer notre capacité pour parler devant l'audience ou quelque chose comme ça. Et tous mes amis dans le concours, en fait, nous combattre, mais nous soutenir de partout. C'est trop bien, en fait. C'est la première expérience pour moi, j'ai gagné. C'est pour vous tous, en fait. Vous êtes gagnants déjà. 1000 personnes, vous êtes déjà. Oui, gagné. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup et félicitations encore, félicitations. Merci, merci. Merci beaucoup aussi Stéphane pour avoir été président du jury et pour participer en fait chaque année depuis que vous êtes à l'IFI au concours MT180. Donc voilà, je sais que ça vous tient à cœur, que la recherche scientifique vous tient énormément à cœur. Et donc voilà, pouvoir découvrir ensemble et écouter les acteurs de la coopération scientifique franco-indonésienne de demain. Donc je sais que c'est important pour vous, donc merci beaucoup d'avoir participé. Avant de clôturer et d'effectuer donc, les remerciements, nous allons écouter quelques mots de Thierry Marais, notre attaché de coopération scientifique à l'Institut français. Thierry, la parole est à toi. Merci Myriam, bonsoir à tous. Bon, il m'a compte de clôturer l'événement, donc c'est bien dommage parce que personnellement, je serais bien resté avec vous. J'ai encore plein de questions à vous poser, puis les candidats sont tellement sympathiques. En tout cas, félicitations à tous. Vous avez donné un beau spectacle d'éloquence, bien sûr, mais aussi un beau spectacle avec un contenu passionnant. Vous nous avez montré que les chercheurs sont des gens passionnés. Et comme disait Stéphane tout à l'heure, je crois, l'occasion de transmettre cette passion est assez rare finalement. Alors, pour plusieurs raisons, parce que la recherche peut paraître compliquée pour les non-initiés, parce que vulgariser n'est a priori pas dans l'ADN du chercheur ou du scientifique, qui par définition est attaché plus à la justesse des mots, des définitions, à une certaine rigueur. Et aussi parce que le sujet étudié de haut niveau, en général, ça s'inscrit dans un temps long. Et ça coïncide rarement avec l'actualité du moment. Et c'est difficile de le glisser dans une conversation courante, de trouver des oreilles attentives, d'en parler avec ses amis autour d'un café. Mais ce soir, vous avez donné envie d'en savoir plus. Vous avez ouvert votre monde, qui est aussi le nôtre. Et puis grâce à vous, on a compris de nouvelles choses, on a découvert de nouveaux horizons. Vous nous avez rendu un petit peu plus intelligents. Et pour cela, on vous remercie grandement. J'aimerais remercier aussi très rapidement le jury, l'ambassadeur de France, le représentant de l'ambassade d'Indonésie, Madame la coach, toute l'équipe Myriam, Stéphanie, Arista qui ont organisé, et puis tous les spectateurs virtuels qui ont sûrement beaucoup apprécié, et bien sûr tous les compétiteurs. Alors cette édition, cet événement se termine. Et nous avons hâte d'être à l'année prochaine pour une nouvelle édition. Alors, bon courage à tous dans vos études. Félicitations et encore merci pour cette soirée. Merci beaucoup Thierry, pour ton intervention.
Donc, le moment est venu de clôturer l'événement. J'ai été l'organiser, le co-organiser donc avec, comme l'a dit Thierry, Stéphanie, Claudia et Arista Louis-Poutry de l'équipe de coopération scientifique. Donc, merci les filles pour les longues heures de réflexion, pour réfléchir au format à adopter et pouvoir rebondir à chaque fois. Donc, merci beaucoup. Et donc, j'aimerais remercier, comme l'a dit Thierry, tous les participants. Merci Gemala et merci aux candidats pour votre sérieux. Et à l'année prochaine pour la prochaine édition du concours Ma thèse en 180 secondes, parce que ça ne s'arrêtera pas là. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Thank you.